Sam, tu peux pas savoir comme j'adore les concours de légumes géants. Waouh, je suis vraiment impressionné par la taille de ces choux-fleurs. Oh, merci Sam. Mais ils sont moins impressionnants que les betteraves de Tristan. C'est gentil, Denise. Mais vous n'avez pas encore vu mes radis. Oh, bah, il manque un participant à ce que je vois. Je me demande qui c'est. J'ai trop hâte de voir la tête de mon père quand il verra ça. Il sait pas que je me suis servi de son engrais méga pousse 2000. À condition qu'on arrive jusque là-bas, il doit y avoir un moyen moins fatigant de déplacer une citrouille géante. Courage, nos efforts seront bientôt récompensés. C'est nous qui allons gagner le concours de légumes géants de Pandy Pandy. C'est bon, Mathieu, arrête-toi. On est arrivé en haut de la colline. Hé, Mathieu, stop. Oh, il a commencé à redescendre la colline. Fais attention, Mathieu. Hein, quoi? Oh, au secours. Waouh, il descend à une de ses vitesses. Oh là là. Mathieu est coincé sur une citrouille géante mobile qui détruit tout sur son passage dans le parc. Mathieu est coincé sur une citrouille géante mobile qui détruit tout sur son passage dans le parc. Ellie, peux-tu passer au parc pour chercher Sam, s'il te plaît? Oui, chef. Suis cette citrouille géante. Ah ah Pas de panique, Mathieu. On va t'aider à sortir de là. Écoute, pour commencer, tu vas essayer de te pencher vers moi. Impossible que tout ça puisse s'attaquer à la citrouille par un harnais. Il va falloir agir vite, Sam. On se dirige vers la falaise. Hop, on va tomber de la falaise. Non, Mathieu, ça ne risque pas. Accroche-toi. Et voilà, tu es sain et sauf. Ça va être difficile de désigner un vainqueur après ce qui s'est passé. Tout ça, c'est ta faute, Mathieu. Si tu avais été un meilleur conducteur, notre citrouille aurait gagné les doigts dans le nez. Quoi? Comment ça, ma faute? C'est vrai, il n'y est pour rien après tout. Il a juste essayé de transporter votre citrouille géante jusqu'ici. Ce sont des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas prévoir. Il va bien falloir qu'on proclame un vainqueur d'une manière ou d'une autre. Eh bien... cette carotte ne semble avoir subi aucun dommage. Dans ce cas, le voilà, notre gagnant. Oh, Tristan, quand je vous disais que vous aviez une tête de champion.